Restaurant Online. Voilà. J'ai le coffret DVD. Franchement, je le regarde, j'ai toujours pas vu. J'ai découvert un temps. Je sais pas quand j'ai vu la saison 2. C'est la première fois que je saute la saison 1 pour regarder la saison 2. Je crois. Dans mes souvenirs, dans les animes. Bref, ce n'est pas ça, c'est pas la raison pour laquelle je suis venu parler. À la base, je ne suis pas intéressé par Asuna. J'aime pas trop son design. Enfin, c'était juste le design, quoi. Le design qui m'a jamais convaincu. D'ailleurs, les autres personnages aussi non plus, ils m'ont pas hyper convaincu. Sauf Kirito, je kiffe. J'ai kiffé absolument Kirito. Que ce soit du SAO ou le GGGO, je l'aime bien. Sinon, celui du hack, fait rire. Je l'aime pas mal, mais j'aime un peu moins. Sinon, j'ai bien le Locrogar aux cheveux rouges, c'est plus son nom. C'est qui a accompagné Kirito au début. Parce que là, j'avais vu un petit peu la saison 1 il y a longtemps. Bref, bon. C'est pas le sujet. Pourquoi je l'ai pris cette figurine? Tout simplement parce que il venait de la série de Digiki Boku Fatty Climax, qui d'ailleurs j'ai le jeu. Voilà, je l'ai pris cette figurine pour le jeu Digiki Boku à cause de Digiki Boku Climax. Je m'intéressais à Digiki Boku Climax pour une simple raison, c'est que j'ai adoré un jeu de DS qui est placé au croisé position de mon top DS, au croisé position de mon DS, qui s'appelait un certain Digiki Boku Gakuen, voilà. Digiki Boku Gakuen. Un jeu RPG avec des femmes service, bien sûr, comme il y en a dans tout jeu crossover souvent, que j'ai adoré. Malgré que je ne comprenais pas le japonais, il n'y avait pas un moyen qui traduit. C'est beaucoup dommage, il y a peu des créateurs qui ont traduit. Personne n'a jamais traduit le jeu. À moi, peut-être avec le temps passé, il a été traduit. Moi, je ne sais pas. Donc voilà. Un jeu que j'ai adoré. L'histoire était surprenante. Même si je ne comprenais pas le japonais, j'ai compris un peu certains. Grâce un peu, parfois c'est internet et parfois c'est les images. Et puis après tout, j'ai vu l'anime, donc, enfin, des animes, plutôt plusieurs animes, une bêtise. Enfin, je m'habitue à être pas fait tout le temps. Enfin, j'arriverai jamais à être pas fait. Bon, bref. Et voilà. Et quand ils annonçaient le jeu Digiki Boku Fatty Climax, c'est la peste. Enfin, c'est Banaka, plutôt au départ, en Banaka. J'étais hyper content. Voilà, j'ai été content qu'il en sorte un. J'ai plus qu'à attendre qu'une sauce et qu'il sort en consomme. Et c'était un. Voilà. Non seulement j'ai adoré Digiki Boku Gakuen, mais en plus je suis devenu fan de Digiki Boku. Je m'intéressais à tous les animes qui proposaient dans le Digiki Boku Gakuen. J'ai pu rattraper les grands séries qu'ils proposaient. Il me manque encore quelques-uns, mais voilà. Puis il y a eu les nouveaux qui sont arrivés, mais j'ai pas pu les regarder. Notamment le fameux Sora Online, la saison 1. Quand j'ai regardé Wakanim, c'était à l'époque où le PC déconnait un peu. Le streaming était lent. Et voilà, je voulais découvrir la série dans le streaming Wakanim à l'époque où Sora commençait à arriver. Et j'ai pas pu le regarder. À cause de cette foutue époque, et j'ai lâché. Et après, j'ai eu un regret, c'est qu'il a eu un grand succès, et j'aurais bien aimé le voir. Mais j'ai pu retrouver en DVD, mais je voulais regarder un moment la série, j'ai pas pu me croquer, m'imaginer en chemin. J'espère trouver un temps où me retrouver un jour mon indépendance. La série, je n'arrive pas souvent à avoir du temps. Bref, ça c'est une autre histoire. Je pense que vous en foutez. Voilà, je l'ai pris à cause parce qu'il venait de Digiki Boku Fatty Climax. Et ça m'intéressait d'avoir les autres figurines de ma collection. Mais le souci, c'est que quand je suis trouvé dans le magasin,
grâce à un collègue de mon petit frère qui avait emmené dans ce magasin, je le remercie. Et il n'y en avait que celui-là. C'est dommage, j'aurais aimé la voix Shanna. J'adore beaucoup Shanna. Ou Ed Taro, Black Blair. Il n'y a pas dit, j'ai kiffé. Bien, c'est l'histoire est assez courte, dommage. Et vraiment, des lolis. Pourquoi des lolis? Ridicule, mais bon, ça c'est. Non, ça c'est un titre. Bon. Ou encore Yukina, je la trouve mignonne celle-là. Ou au moins Tegar. Au moins Tegar. Ou celle-là qui est. Kawaii! Alors je m'en rappelle plus en nom car j'ai jamais vu la série. Donc voilà. Voilà. Il n'y avait que Asuna, j'aurais bien aimé Kuruto. J'espère que j'en trouverai d'autres dans l'avenir. Mais si j'ai du mal à croire avec les prix. Ou les noms des emplois et compagnie. Bref, voilà, j'ai adoré Digikibuko, je suis fan, malgré que j'ai pas pu voir les plus récents, notamment la série Rinso ou Astel World. Attends, je voulais en DVD, il faut que je trouve un temps. Oh, quoi que j'ai quand même vu les 11 premiers épisodes. Il y avait une époque où je veux tester Wakanim. Après, ça m'a saoulé, je ne pouvais pas. Hélas, consacrer ce Wakanim si la queue quand joue limitée pour regarder gratuitement ce Wakanim. Plutôt que. C'est tout, j'habite chez mes des parents qui sont très voyageurs. Je sais pas si je peux me consacrer souvent à la série assez ou ouais, voilà, il y a une époque que je ne peux pas souvent consacrer et ça me. J'ai pas envie de regarder tous les jours pour regarder. Alors que j'aime bien prendre des animes et. Alors j'ai bien prends les animes. Voilà, excusez-moi, je parlais un peu fort. Prends des animes et les mets dans mon disque dur et regardez autant voulu, voilà quoi. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer à ouvrir ces fameuses boîtes. J'espère que ça vous a plu ce que je vous raconte. Voilà, vous en foutez, vous voulez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, bref, je l'ai pris pour la collection des Shikiboko. Donc voilà, on va ouvrir en essayant d'essayer le moins de bruit possible. Alors c'est parti. Ah zut. Ah il reste des scotch. Je pensais l'avoir tout enlevé avant de commencer. Bon c'est pas grave. Je vais vous partager avec vous. Alors. Tout petit boxing. Sinon je suis tenté par Asuna à la version Fairy. J'en ai vu un une fois dans le magasin. J'espère le recou. Pas en trouver un peu mignonne. Je l'aime bien celui de la version Fairy par contre. Voilà, magnifique. Ah, les explications comment tenir le personnage. Et si j'oublie dit, j'adore beaucoup ces gars. Notamment les récents. Les anciens, j'ai. Certains, j'ai pas très tenté, d'autres non. Bon, sinon, je suis tenté par Shenmue. Mais le souci de ce jeu, c'est qu'il est exclusivement que sur une Dreamcast et il a été Swiss Boss. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas fait de HD. Alors que j'aimerais bien découvrir la série. Mon pote qui n'arrête pas à en parler. Et quand j'ai regardé des vidéos, il me tentait. Le design magnifique et en plus, il y a des clins d'œil à ces gars. Ah, j'aurais bien aimé. Bref. Il y a le Shenmue 3, mais j'étais pas, je vais te avouer, j'ai pas été convaincu. Notamment par le redesign de Ryo Hazuki, je crois. Non, je vais encore. Ryo, je vais pas. Ma famille, j'ai dit une bêtise. Oh, je m'en rappelle plus. Le héros, quoi. Et. Bon, désolé, moi, je connais pas la série du tout. J'ai jamais joué. Quand je vous ai dit à. Ah, chez moi, j'aurais bien aimé les gens qui n'arrivent pas à en parler, enfin plus mon pote. Non, les gens n'ont jamais parlé. Je connais pas des gens qui mentionnent. J'ai pas aimé, mais heureusement, le réalisateur s'est rendu compte et il va faire un design. J'espère qu'il fera plus mieux. Ah, et ce qui paraît, il va s'inspirer du combat Fatua Fatua. Un jeu combat que j'ai adoré. Autant la version Dreamcast qui m'a fait découvrir, j'avais pas aimé, mais. Le 4 ça va, ça passe, et le 5 j'ai adoré. Je vous conseille de le jouer, le final à rond.
qui se mange en des maths. Sinon, il y a le premier bastion en boîte. Il est proposé en essentiel. Donc voilà. Bref, on va commencer. Désolé encore. J'espère, je suis pas chiant. J'espère, je suis pas chiant pour vous. Moi, j'adore raconter. J'aurais bien aimé dire ce que j'en pense. On voit des gens qui en font, hein, je veux bien. Je vois pas pourquoi j'ai pas le droit. Voilà, la fameuse Azuna. Magnifique, magnifique, y a pas à dire. Le rouge magnifique. Voilà. Oh, encore un Oscorge, punaise. Vous voyez les gens? Oui, dit putain, dit punaise. Vous avez rien fait, allez, on y va. On y va. Hop. Ouf, il y a son épée. Je peux le vite l'occuper. Hop, et là, là, voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Finalement, j'ai pas regret de l'avoir pris. Voilà son épée. Vu le modèle. Et voilà son socle. On va pas la mettre car je la remets dans sa boîte. Faudra que je trouve une place pour mettre mes figurines. Le souci, malgré mes travaux, il reste pas assez place. Je voulais mettre des figurines en haut, mais mes parents ont mis des BD, donc je ne peux pas avoir apparemment une figurine. J'espère un jour habiter à Monaco. Parce qu'ils pourront me proposer une maison à Monaco. Hop. Et ça tombe bien, j'adore ce pays. Sont très chanceux les monégas. Voilà. Ah, voilà. Bon, non, il faudra quand même je la tiens. Debout. Hop. Je peux pas le faire. Pas dans cette table qui colle. Alors, attends. Je regarde qu'il manque rien. On dirait qu'il manque un clou à accrocher. Je sais pas quoi. Attends, je vois ça. Bon, serré. Bon, c'est bizarre, il manque un, j'ai l'impression qu'il manque un clou. Bon, je rouvre ça. Ah, du scorge et du plastique. Non mais c'est n'importe quoi. Voilà, c'est du... oh là, je suis mauvais droit. Bon, voilà, magnifique. Ah, là, parfait. Voilà. Voilà, c'était un voilà, c'était un ASMR au boosting, fatigue les masses. J'espère que j'étais pas trop fort au volume, désolé encore, je crois que j'étais un peu fort. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec un peu de avec de la politesse s'il vous plaît. Pas besoin de m'insulter, c'est pas agréable à vous lire. Et voilà. Coucou. Voilà. Voilà, magnifique. J'ai pas horreur de l'avoir pris. Et en plus, il coûte pas cher quand j'ai trouvé. Génial. C'est ce que je vous dis. Bonne soirée. Et Jeannet. J'espère qu'il vous plaira.